Mais quelle bonne chose, mon frère, mes chers amis. Où est ce que le prophète Ésaïe 26:12 dit aujourd'hui? Il se tourne vers le Seigneur et dit alors, « Seigneur, tu nous assignes la paix. » Toutes nos œuvres, en effet, c'est toi qui les accomplis pour nous. Prêtez attention à cela. Tu as fait toutes les œuvres, guidées par Dieu. Il n'y a pas une qui a été mal faite. Il n'y a pas une qui va vous salir. Toutes sont des vertus. Donc il dit alors, le Seigneur donnera la paix. Nous avons fait ce que le Seigneur a donné. On l'a réalisé. Méditez sur cela, car ça va beaucoup vous aider. Voyez ce témoignage. Aujourd'hui, je suis partie en traînant la jambe. Ça a été dur d'arriver à l'église pour pouvoir... Combien de temps que vous avez mal? Cela fait quelque temps. Après, ça disparaît. Après, c'était très dur. Maintenant, vous étiez attaqué. Je l'étais. Et à présent? Maintenant, je ne sens plus rien. Et ça va revenir? Non, au nom de Jésus. Et ça ne va pas. Et s'il revient, vous dites, tu es en retard, Jésus m'a déjà guéri. Au nom de Jésus. Parce que la porte qu'il ferme, personne ne l'ouvre. Et la porte qu'il ouvre, personne ne la ferme. C'est fini. À présent, je prie pour vous, Père. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de paix, de joie, de satisfaction, d'une guérison, de prospérité. Et je crois, Père, que le Seigneur va faire que cette personne soit bénie. Et en toi, ô Dieu, elle va être libérée. J'attache tout mal qui est dans sa vie et je dis, mal, sors, va-t'en d'elle. Au nom de Jésus, soyez libérés.